a new follower. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Putain, il est fort ce con. Salut à tous. Salut, c'est Seven. J'espère que vous allez très très bien. Allez, on va passer sur le jeu. Aujourd'hui, pour l'épisode 5. Attendez, j'ai pas mis l'image parce que je vais pas me connecter au serveur. Je crois qu'il est full. Full de chez full. J'espère que vous êtes en forme. Salut Mike. Salut à ceux qui sont déjà connectés. Bon. Quelques jours qu'on ne s'est pas connecté quand même sur cette game, il y a un peu de boulot malgré qu'on ait des armes. Il va falloir trouver des balles et des chargeurs. Ok. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai toujours pas eu de trap kill. Alors, est-ce que quelqu'un a désamorcé mes mines ou personne n'est tombé encore dedans? Est-ce que le piège est trop caché? Et ben, on va voir ça tout de suite. Voilà. Je suis en train de réfléchir, il faut qu'on aille faire une pelle. En fait, entre les games que je fais avec les poteaux, les games que je fais entre guillemets sur ce compte et les games hardcore, faut avoir de la mémoire. Hein. Ok, donc on a des stylos pour faire des mines, ça c'est nos problèmes. On avait perdu deux guns, ça on n'a pas oublié évidemment. On a un gun ici qui est en bon état. Ah oui, le bug a fait que le gun est en très bon état, bah tant mieux. Recharge tout ça, tout est prêt à tirer. Ok. Bon, j'imagine on passera peut-être à la base, mais à mon avis... Oh, la base. Le camp de retranchement, mais à mon avis c'est cuisse. Hop, agrandis ici la fenêtre. Alors, idéalement, il y a du monde sur le serveur. La base est encore là, elle tient debout. Je sais pas pour combien de temps, mais... Là, techniquement, il faudrait qu'on aille chercher un chargeur pour la carte. On a trouvé. Enfin, qu'on a eu sur le mec qu'on a tué surtout. Donc on va continuer de faire très doucement parce que
On n'est quand même pas super équipé. Le serveur vient de redémarrer il y a quelques instants. C'est-à-dire que le moindre truc qu'on voit ouvert, quelqu'un est passé. On n'a pas besoin de balles pour le moment non plus. Yo, salut Joker. Ah, ça va, t'as rien loupé. On vient de commencer il y a 7 minutes. 7 minutes, dont 3 minutes d'introduction. Donc, pas rien loupé. Assis-toi bien. C'est parti. J'espère juste que mes cops sont là. Bon, après, en même temps, techniquement, personne ne m'avait vu, donc... Salut Globule Red. Ah, c'est sympa. Merci d'être passé. En tout cas, ceux qui passent, même pendant le taf, etc., juste pour faire un petit coucou, ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous n'aurez pas capté, que vous n'aurez pas des soucis en venant me voir rapidement, comme ça. En espérant qu'aujourd'hui, ça se passe à notre avantage. Donc je loot là 2-3 garages vite fait. Faut pas oublier qu'on avait trouvé une base qu'on pouvait éventuellement crocheter. Donc faut faire un stock de tournevis. Je me demande si à terme, vu qu'ici il y a quand même pas mal de fights, enfin vous me direz ce que vous en pensez, parce qu'à la base, ce que j'avais prévu de faire, c'est qu'une fois qu'on était un petit peu armé, qu'on se baladait un petit peu sur la map. Mais bon, on fera jamais super stuff. Et comme je vois que sur le coin, il y a du monde... Oh, ah, j'ai pas le droit. J'allais dire, oh putain, il y a une Hunter. J'avais oublié. Merde. Bon, de toute façon, elle est en bon état, la mienne. Et pour une fois que je trouve une arme dans les trucs en fouillant, là, elle est totalement zappé, ça. Ça a l'air plutôt calme. Oh putain, j'ai flippé. C'est pas ça. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est Joker. C'est ma chaîne avec un viewer. Ah, c'est cool. La première fois qu'on me fait un host, j'ai flippé. Attendez pas au son. Ah, merci en tout cas. Merci Joker. Ah, le serveur il est déjà full, c'est quand même incroyable. Alors ça on en avait besoin pour mettre dans le piège à pic. Et un jour, je pense qu'en fait il servira jamais à rien ce piège à pic. Parce qu'il nous servait... Enfin si, ça nous sert quand même de base de repli, mais maintenant qu'on est armé, je pense qu'on va... On va s'installer entre guillemets dans une maison un petit peu plus calme. Je sais pas ce que vous en pensez, mais un petit peu moins visible. C'est-à-dire un coin où on peut se planquer et camper, où on a quand même une visu. Sur le commissariat, c'est besoin. Sur le commissariat, il y a quand même un spot où les gens passent. Mais un truc moins visible, là, on est en plein milieu de la ville. Bref, tout le monde le voit, quoi. Idéalement, avec aucune fenêtre à condamner au rez-de-chaussée pour pas qu'on se fasse fermer, quoi. Alors, évidemment, si quelqu'un loot, on va voir que les portes sont fermées, mais. Pas contre une maison comme ça, assez sympa, quoi. Il y en a qui ont une suggestion à faire parce qu'ils connaissent bien le village, n'hésitez pas. Hein. On va voir s'il y a le coffre après. Je me rappelle qu'on cherchait à tout prix à avoir un vélo l'autre jour, mais on n'a pas eu cette chance. Enfin, en même temps, qu'est-ce que j'en aurais fait? En fait, il faudrait une maison un peu planquée, mais pas trop. J'ai le droit de prendre. En plus, c'est. Bon, je croyais que c'était les mêmes maintenant. Ouais, j'ai le droit de prendre les balles et tout, les chargeurs, mais pas les guns. C'est vrai. Là, on est bon. Ça fait rien. Enfin, ça fait rien. C'est-à-dire que si les gens viennent sur ta chaîne et ils me voient en direct, parfois quand un streamer héberge un autre, c'est par exemple il finit de faire un live, il avait genre, je sais pas, 20, 30, 40 viewers sur son live, ou 5 ou 2, peu importe, et du coup bah, ça les met sur le
sur le live de la personne, ça les transfère sur le live de la personne qui est en train de streamer. En fait, ici, ça me plairait bien, mais il y a une fenêtre à condamner, donc on est grillé. Et il y a la fenêtre à côté, ici, là. Donc c'est quand même un peu visible, donc on va... Si on squatte une maison, on ne squattera pas ici. Après, c'est pas plus précis de tirer à la Hunter qu'au revolver. Mais bon, je pense qu'avec celle-ci, tu mets... Une ou deux balles bien placées, ça tue. La Hunter, c'est un peu plus compliqué. Bon, je fais juste 2-3 trucs et on va au coffre. On va faire un peu de transfert et puis aujourd'hui, on va aller bunker. On va faire un vrai bunker. Ça va être le premier de la saison. Partir armé, évidemment. Là, par contre, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de loot du tout. Voir un mec pas loin. Donc le serveur a redémarré il y a 14 minutes, qu'on stream depuis 8, 9. C'est pas normal qu'il y ait zéro loot ici. Donc il y a un mec qui est passé. Le problème de cette baraque, c'est qu'il y a... Elles ont toutes au moins deux fenêtres à condamner, c'est ça qui est chiant. Ah, je récupère parce que ça fait partie des guns qui ont disparu avec le bug. Hein. Pour ceux qui sont là, ceux qui regardent leur diff. Il y a un 1911 et un 9 mm qu'on doit récupérer. Cette maison aurait été cool. Mais bon, le problème, c'est qu'on peut me tremper de dos dans la forêt. Et qu'il y a quand même deux fenêtres à fermer en bas. Donc en fait, on sera autant visible qu'avec l'autre maison. Donc c'est pas terrible. Le truc qui était sympa, c'est que d'ici. Vous voyez le Pomico. Bref. Donc celle-ci sera pas possible, on va essayer de trouver quelque chose de plus discret. On ira voir après. Je vais faire vite fait la hache en... Hache dans l'appel en forêt. Ouais, c'est bien ce que j'avais vu. Un ours en pleine forêt. Là. Bon. Ah. J'ai entendu un bruit, moi. Vachement gaffe. Salut Frenchy, pardon. C'est quoi ce bruit? C'est le bruit de l'ours, mais qui grogne. Ouais, c'est ça. Le mec, il est devenu parano à force. Mon coffre est là, c'est une bonne nouvelle. On va s'éloigner pour faire l'appel. Il y a toujours le coffre sous les buissons, quoi. C'est dingue, hein.
Par contre, j'espère que j'ai mis un blueprint là où j'ai mis l'autre corps, parce que... Ah oui. Alors il est là, mais regardez. Il bug. Heureusement que j'ai mis le blueprint, parce que le clic droit, il est totalement bugué dessus. Ok. On a une scie, donc on a juste à faire de la corde et un long bâton. On va faire ça vite fait. Je sais pas si ça vous le fait, vous aussi, de ces bugs d'affichage de corps. C'est quand même un peu emmerdant, ça, quand même, hein. Moi, je disais tout à l'heure, mais bon, j'ai pas fini la discussion. Ça serait peut-être intéressant de venir s'installer dans un coin, peut-être faire une petite base dans une grotte ou un truc dans le... à la con. Visiblement, dans la ville ici, il doit y avoir du monde. Je pense que si on va à Airfield, il y aura du monde, à Factory aussi. Et une fois qu'on s'installe et qu'on a un peu de stuff, ça peut être sympa, quoi. Il y a quelques bases à raid, il y a du brocalypse qui passe dans la ville. Ça peut être plutôt cool. Je sais pas, vous le feriez comment vous? Bon, on va forcément avoir un petit peu de stuff, un petit peu, mais peut-être pas beaucoup. Alors, est-ce qu'on se balade toujours full avec tout ce qu'on a sur nous au risque de tout perdre en une sortie? Ou est-ce qu'on squatte un secteur quelques jours, quelques semaines, et puis après on bouge? Enfin, quelques semaines. J'exagère, mais c'est à peu près ça, quoi. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous auriez fait? Ça m'intéresse de savoir. Ça veut pas dire que je vais suivre exactement ce que vous allez dire, hein, mais ça m'intéresse. Je crois que je vais vous retirer, il y a un petit peu de filtre. C'est pas beau du tout. On va réfléchir à... Ah bref, je vais déterrer en premier, quitte à ce que je réenterre le temps que j'y aille. C'est quand même vachement visible ici. Hein. Une petite cuvette, mais ça va encore. Ouais, ça va. Salut Antox! Comment ça va? Bienvenue! J'espère que vous avez passé un bon week-end. Trop vite lui. J'ai vu en déterrer le coffre, génial hein. Ah. En fait cette arme aussi, si le mec il bouge comme lui c'est mort. Hein. Je vais quand même aller voir s'il me regarde pas. L'ours qui vient de partir là. Vous imaginez, j'étais en train de déterrer, c'est chaud. Hein. Ouais, faut vraiment qu'on s'équipe d'une 1911 ou du 9 mm parce que je pense que ces balles là sont puissantes mais pour viser c'est une galère. Ah, c'est nice. Attendez avant de déterrer.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas... Il n'y a pas un autre bug dans le coin. Chier ça. Ouais, ici, ça sera bien là. Faut qu'on le ramène ici, quoi. On le ramène ici, qu'on fasse ça vite fait, parce que c'est tout notre stuff, c'est tout le live qui est là-dedans. Le mec, il nous a vu déterrer, il est loin d'être con. Oubliez que... Faut toujours considérer que votre ennemi, il est toujours aussi intelligent que vous, voire plus, donc comme ça... Non, non, je vais pas... Je vais vite déplacer le coffre. Je vais me délooter, parce que j'ai trop de trucs sur moi. Il y a quand même des trucs importants, ça serait dommage de... les perdre bêtement. Sous le mec qui vient de crever, il va partir sur loot, il va venir me buter. Regardez le bug, je viens de voir mon coffre, il vient de disparaître. Regardez le replay, hein. C'est n'importe quoi ça. Ça c'est abusé ça. L'appel qui a disparu. Et ça commence bien, c'est cool ça. Surtout que j'ai décalé spread du bush. J'ai foutu là, là. Alors, en fait, ici dans le coin, tout bug par terre. Faut pas trop se poser de questions. Tout bug. Allez, je vais mettre l'appel dedans, je vais essayer de déplacer le coffre. Faut qu'on se déloot. On regarde ce qui nous manque. Une balle de 0,45 ACP. On a 8. Évidemment, on n'a pas de stam. Là, je suis en train de regarder vraiment comme un radar si je vois un truc bouger. Et surtout qu'on avait... Bon, on n'avait pas grand-chose, mais... Je sais pas si je pars dans la bonne direction, mais je me dépêche. Et pas trop mal. Allez, vite, vite, vite. Plus de stam, évidemment. C'est quand même chaud de faire ça en journée, mais j'ai pas trop le choix en fait. Hein, parce que comme je joue pas en dehors des lives, pour éviter que pour X ou Y raison je tue quelqu'un ou je me fasse tuer et que vous le voyez pas, bah du coup je suis obligé de faire ça en début de live et c'est un peu chiant. C'est pas safe, c'est dangereux. Vas-y, fais plus de bruit, je te dirai rien. Ok. Ça. Je pense qu'on va rester au revolver. Avec la Hunter, c'est très bien. L'arbalète. On va laisser les clous ici, parce que ça nous servira à faire des pièges. Les stylos pour les mines. Je vais essayer de vraiment tout déménager, parce que là, c'est important. Les balles, je vais les mettre en haut, ça on les garde avec nous. On garde avec nous aussi. Le Hunter, on les laisse ici. Comme ça, on aura au moins une arme prête à tirer si besoin. On a de quoi faire un cadenas. Hop.
a trop de trucs sur moi, je vais déposer quelques trucs pour pas être trop lourd. Et on est bon. Ok. Oh, les petits bras, vous avez vu? Oh, la pauvre. Toutes mes grichonnes. La pauvre. Bon, il faudra qu'on trouve quand même de la bouffe et à manger. Enfin, il y a 2-3 trucs, on va se démerder. Je pense que je vais pas déplacer d'autres coffres aujourd'hui, malheureusement. On va aller faire un tout petit tour en ville, voir si on voit quelqu'un. Et on va juste entretenir le coffre pour pas qu'il dépop. Et puis peut-être en fin de live, selon ce qui se passera, on viendra vider l'autre, on ira vider l'autre ou autre. Allez, c'est parti. Tac, on boit un petit peu. On va partir. Donc du coup, on va se faire un petit tour rapide ici. On va checker le piège. C'est bizarre qu'il n'ait pas déjà pété. Et puis après, on ira faire un tour au bunker ici de B2. On va vérifier que l'arbalète est chargée. Elle est chargée. Donc, un gun pour le moment. Faut trouver chargeur d'AK. N'oublions pas que tout ce qui est balle, on peut fabriquer. Donc ça, c'est pas un problème. Enfin, c'est moins un problème. Le mec, il courait vers la ville, hein. Donc il doit pas être très loin. À chaque fois qu'on a fait le live, à peu près à la même heure, on s'est tapé les gros bras là, donc faut faire gaffe. À mon avis, il joue à peu près tout le temps à la même heure. Et pour le moment, c'est pas parce que j'ai des armes à feu que je suis mieux équipé. Vu comment le Peacekeeper il tire, on a tué un mec avec, mais je sais pas comment on a fait du coup. Hein. Je peux pas l'entretenir. D'accord. Bon, il nous reste 5 jours. Techniquement, en 5 jours, on va le déterrer. Hein. Donc, je vais faire un tour rapide. On va juste checker la base. Ce qui était la dernière fois, bah, il y avait des mines un peu partout. À mon avis, les cadenas ont sauté. Hein, ça n'avait pas besoin de. Allez vérifier. Petit robot qui va bien. Bizarre les villes comme ça, désert, alors que tu sais que le serveur il est full. Et tu sens qu'il y a une douille quelque part, tu vois. On débrouille pas, mais je pense que c'est ceux du Z. Bizarre, c'est qu'il y en a. Il y en a qu'un en vide. Techniquement, elle est géniale cette baraque. Hein. Il y a une fenêtre ici qui donne dans le couloir. Commissariat. Oh, oh, oh. C'est trop calme. Le mec est passé et il était à poil. C'est pas pour quelque chose.
Enfin, c'était pas pour rien. Tu... Pensez qu'ils ont piégé la baraque là ou pas? La première fois, ils ont mis deux mines. C'est peut-être un petit peu gros. Fermé ici. C'est bizarre ça. Déjà tout. Ça n'a plus. Ouais, ça c'est. Quelque chose qui est pas net. Il y a quelque chose de louche. Je sais pas comment vous expliquer, mais je sens qu'il y a un truc qui va pas. Donc, il y a un cadenas, ça me dérange pas. Par contre, je vais changer de serrure. Ouais. Je préfère que ce soit la porte de derrière qui soit fermée. Est moins visible, donc si quelqu'un oh non, bah non, c'est bien ça. Si quelqu'un crochette, je veux qu'il soit ou qu'il soit bloqué, je veux qu'il soit du côté commissariat. Bah, s'il sort en courant, je vais te faire le tour. J'allais dire, il n'y a pas de mine laser, je voyais un truc par terre, j'ai flippé. Non, je pense que new follower. Salut Alex, merci pour le follow mec, bienvenue. C'est trop calme pour être vrai quoi. Quand vous connaissez le serveur, c'est quelque chose qui va pas. Il y a un véhicule qui vient de se garer. Putain, ils sont là. Mais c'est dingue, ils sont là tous les jours à la même heure. Putain, il y a encore le coffre. Ah ouais, je me disais. On aime quand t'es tendu. Voilà, je suis très tendu. Il vient de se garer là. Par contre, bon. Je vais taper à chaque live les trois mecs full équipés. L'arbalète et tout, c'est. Compliqué, hein. Yo Mike! Oh, il est généreux ce Mike! Merci pour le sub offert à Alex! Merci Mike, merci encore du soutien! C'est vraiment plaisir! Vous entendez? Oh, attends. Profitez vite. Il y a des bruits au loin. Véhicule. On aurait dit un cric de moto, genre tu sais, j'ai essayé de la démarrer. Évidemment, ça c'est pour moi, ça non? Non, ça va. Donc techniquement ici au grenier au moins, même si j'ai pas trop de visibilité, c'est là où on regarde aussi le moins donc. C'est bizarre quand même. Le son, pour moi, venait de ce côté, le son.
contrôle le Z qui peut servir d'alarme. Salut Ricky Gang. Ricky Gangs, pardon. Bienvenue à toi, merci pour le follow, mec. Un mec qui a calé, hein. Alors, soit il venait trouver un véhicule, il n'arrive pas à la démarrer. Ça vient de par là, là. On va essayer de s'approcher un peu, tant pis. Hein. Ah oui, je vais voir. Regarde juste s'il n'y a pas de mouvement. Oh, sérieux. Merci Antox qui a offert un sub à James. Je vais remercier juste après comme il se doit, mais là... Il manquait quoi pour faire ça là? Et 10 bâtons, ok. Concentré, je sais. Je suis beaucoup moins craint. Il n'y a pas de bruit, mais là... Devant. J'ai la pression. Est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'ils sont 3, 4, 5? J'en sais rien. Est-ce qu'il est armé? J'en sais rien. Qui arrive. En fait, je suis entouré de mecs. En fait, c'est le groupe habituel. Mais Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ce truc là, un mec à poil sur la route, il y a des mecs à poil.
Ah, c'est quoi tous ces nudistes là? On marche sur une mine ou quoi? C'est peut-être ça qu'on a entendu là. Tiens, on dirait des mannequins tous à poil. Bon, en fait, ils ont pété sur une mine, quoi. Un truc dans le genre. Tyson. Ouais, je vais aller voir. C'est bizarre ce truc-là. Hein. Et on a entendu la moto qui s'est barrée. Je pense qu'ils sont venus looter. Ils sont venus... Il y en a un qui est venu en moto, il a déposé ses potes. Ils ont récupéré le stuff et ils sont barrés. Ouais, pour moi, elle partait. Hein. Puis les corps ont déjà été loot. Hein. Ouais, en fait, les mecs ont dû péter sur une mine. C'est les mecs qui me cassent les couilles en ville, là, tous les jours, là. Ils sont revenus en moto. Ils sont respawn base, revenus en moto, et puis ils sont repartis. En fait, on a entendu, c'est le véhicule qui partait, en fait. Enfin, quelques secondes près, hein, on aurait rien pu faire. Hein. Ils étaient, à mon avis, full stuff, mais on aurait pu les emmerder un peu, quoi. Il veut dire que les mecs, ils vont repasser, hein. Ouais, c'est un trap mine. Je sens bien. Attends, je vais peut-être voir, il n'y a pas moyen de fouiller les BCU, hein. Comme ça j'ai les noms. Mais je pense pas. Ils ont peut-être récupéré. J'aurais bien kiffé que... Alors pour que les corps soient là, c'est que la mine a pété là, mais... Bien qu'il fait que le stuff s'envole un peu, quoi. Dommage. Dommage, dommage. Ouais, c'est la mine. Ouais. C'est ce que je disais juste avant que tu arrives. Je pense qu'ils ont pété sur une mine. J'ai entendu un véhicule. Ils ont pété sur une mine et en arrivant là, j'ai entendu une moto repartir. Donc je pense que le mec est revenu, ils ont spawn. C'est les mecs que je croise depuis 2 ou 3 jours. Ils sont en moto et en pick-up. Et il a dû venir déposer un pote en moto et puis ils sont repartis. Quoi. Par contre, je les ai entendus par là-bas, c'est-à-dire qu'ils auraient leur base vers le train yard ou truc dans le genre. Enfin, dans cette direction-là, en tout cas. Bon, c'est pas grave. Nous, on va sur le bunker B2. Maintenant qu'on a chopé une arme ou deux sur des mecs, on va pouvoir aller loot un petit peu. Il nous faut un chargeur d'AK. Il nous faut un 9 mm, quelques balles. Pour ceux qui rejoignent et qui n'ont pas suivi le début de la saison, c'était un challenge abonné. Bon, en fait, je n'ai pas le droit d'utiliser d'armes, sauf les armes que je trouve sur les adversaires. Donc, on a commencé à l'arc, couteau, arbalète improvisée. On l'a encore, l'arbalète improvisée. Et puis, on a tué 3 mecs l'autre jour. Et donc, on a récupéré 9 mm, 1911, l'espèce de magnum que j'ai sur moi, une Hunter et une AK. Qui fait que maintenant, vu qu'on est armé, on a le droit d'aller chercher les balles et les munitions pour les utiliser pleinement. Donc, on va passer à la base qui est à côté ici, parce qu'on n'a jamais regardé si elle était habitée ou raide. C'est vrai que c'est tendu parce que en fait, j'ai pas beaucoup de stock, quoi. Donc, même pour un gun, je suis obligé de. De faire super gaffe.
J'avais le souvenir, on n'avait pas des jumelles, sérieux? Je crois qu'on avait des jumelles, elles ont des pop avec le bug avec les armes, je pense. Hein. Enfin, je regarde les rediffs, mais je crois qu'on avait des jumelles et elles ont... Quand il y a eu la mise à jour des vélos, ça a disparu. Ça, c'est la merde. Il y a un drone qui vient de passer. On l'a entendu. Effectivement, c'était pas ici hein, qu'il y avait la base. Ouais, elle est là. Je pense pas que ce soit eux qui aient les véhicules. Non, j'ai fumé. J'ai entendu comme un coup de hache sur du bois, comme si le mec avait arrêté. Mais ouais, ça, je pense que c'est moi qui... Tu allais un peu fort. Des fraises, là, faut en profiter. Oh, elle a été éclatée la base, je crois. Ou elle a été coupée en deux. Ou ils ont fait deux parties, j'en sais rien. Mais... Récupère un peu de slam. Tant qu'il récupère la slam, on écoute s'il y a du bruit. C'est un peu chiant. Enfin, tout ce que je fais, vu que je suis en solo, c'est beaucoup plus. Il faut que je sois plus patient parce qu'il n'y a personne pour me couvrir le dos au cas où. Et surtout qu'on n'a pas de stock sur cette saison, donc c'est un peu la galère quoi. Faut jamais se mettre derrière les arbres, on a compris que c'est pas le spot à piéger, mais ça a été sauté ça. Il n'y a pas longtemps à mon avis. Ah ouais, elle est éclatée la base. En deux jours, elle est par terre, quoi. Super. Des petits painkillers, ça m'arrangerait bien. Tiens, ça pour les mines. Pour le reste, on s'en fout. Elle était naze un peu la base, hein. C'est quoi, les... simple mur, c'est un peu nul, quoi. Qu'est-ce qui peut m'intéresser là-dedans? Je vais prendre des chiffons. Ça, au cas où on trouve des JVN. Après le reste, à mon avis. Oh, on en avait besoin, ça. Faire le détecteur de métaux. Ok. Ouais, c'est. Ils sont fait péter, et puis je crois que je crois qu'il n'y avait pas grand-chose. Hein. Vraiment, en dèche, je prends même les clous. Bon, allez. On se casse. Il y a le type de construction, mais ça a l'air bien naze. Bonne bête. Regardez sur les structures s'il n'y a pas des mines. Des coffres, pardon. Allez, cassos. On a perdu trop de temps là. J'aimerais bien à terme quand même tomber sur la base. Alors même si pour le moment je peux rien faire contre eux. Mais tomber sur la base des mecs qui ont les véhicules, ça serait. Ça serait assez sympa quoi. Allez, on va sur le bunker B2 là. Si je peux trouver une boussole, ça m'arrangerait. C'est quand même le mec. Ah, vous pensez que le mec qu'on a croisé tout à l'heure à poil quand on est en train d'éterrer le coffre, c'était l'un des mecs qui était mort sur la mine? Ah, c'est possible ça. Hein. Tout à l'heure, je suis en train d'éterrer le coffre, il y a un mec plus nu qui passe en courant, mais genre, j'ai pas le temps, tu vois. Genre, j'ai vraiment pas le temps, tu vois. Et en fait, il y a moyen que ce soit eux qui aient pété, en fait, sur la mine. Et on était loin, c'est pour ça qu'on l'a pas entendu. Bah ouais, c'est ça. Putain.
Bah donc il n'y avait pas de stuff. Hein. Il n'y avait pas de stuff sur lui, mais par contre, vu comment il courait, à mon avis, et qu'il y avait du lourd à l'emplacement de la mine. Moi, je vous avoue, n'ayant pas de base, je ne sais même pas ce que je ferais d'un véhicule. Dérive un peu, je crois, non? Ah ouais. Totalement. Totalement. Un peu beaucoup, même. Ah, ça nous permet de voir le secteur, s'il y a des... Si on croise des bases, des mecs ou des machins. C'est pas très grave. J'avais une pression tout à l'heure là dans les champs là avec juste mon gun et tu sais qu'il y a un véhicule donc tu... Enfin, sur ce type de serveur les mecs ils roulent pas tout seuls, ils sont pas totalement cons. Et comme on sait que les mecs du village sont full équipés, ben... comment dire, pour eux qui sont en pick-up et moto, j'aurais bien aimé en foutre la merde, mais bon. C'est peut-être une chance, on a évité de perdre le gun. Vamos, on y va. Ouais, faudrait checker, mais bon, ça m'intéresse pas pour le moment. Mais il y a un bunker de la Seconde Guerre qui est juste en dessous. J'espère qu'on butera un mec avec un snipe parce que ça peut être pas mal vu le challenge qu'on a et le gameplay que j'ai. D'avoir un petit snipe en main, ça serait top quand même. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent ce qu'on avait dit par rapport aux réparations d'armes? Si je trouve une arme, est-ce que j'ai le droit de looter une deuxième pour la démonter, quoi? Il me semble que oui, je crois qu'on avait dit oui. Et avant de faire des conneries, je sais plus. Ouais, oui, c'est vrai. Quand je dis ça, parce que si je trouve un snipe, si je suis un mec qui a un snipe et qui est tout déglingué, j'irai peut-être looter les bunkers pour en trouver d'autres pour les réparer, quoi. Bon, là, on va déjà essayer de pas crever. Je connais bien ce bunker. Dédicace à... Un mec qui m'a tué avec une batte de baseball, hein. S'il passe dans le coin. Je dis ça, je dis rien. Il se reconnaîtra. Bon, je vais où là? Parce que franchement, en fait, quand t'as pas les points cardinaux, tu tournes en rond, c'est un peu la merde. Je suis plus très loin normalement. Ouais, je monte plein nord. On y est là. C'est là. Ah, sérieux. J'ai fait une chèvre en survie. Laisse tomber, quoi. Même là, c'est compliqué. Hein. Putain. Même pas ce que je fais avec tout ça sur moi. Il y a trop de poils. C'est pas bon. Faut rester mobile. Faut être léger. Ouh, ça mange moins. Quand tu veux. Voilà, merci. Serveur reboot, il y a moyen qu'il campe le bunker et soit campé en plus. Allez, on y va. Ah, mais par contre, avoir des serveurs full à 15 CAZR, ça fait quand même plaisir. Hein. Évidemment, ça aurait pas la même saveur. Oh, il y a un coffre là. Non mais c'est un truc de ouf. J'ai des yeux. Salut Smokey!
Les mecs, ils sont malades sur le serveur, ils laissent des coffres partout. On peut éviter de marcher sur une mine, ça serait top. C'est quoi cette arme de merde? Ah ouais, oh là j'ai merdé. Mais j'ai merdé. Mais j'ai merdé. Mais c'est putain, c'est nul, c'est nul. C'est nul! Oh putain, je trouvais ça trop simple. Tu vois, c'était trop simple. Il y avait un mec qui se baladait là, à vélo. Putain. Ah, le mec il était en automatique, on aurait récupéré une automatique et tout. Putain, je suis vraiment une quiche, sérieux. Ah là là, putain, quelle chèvre. Ah non, il est nul, ce flingue, c'est nul. Et franchement, j'aurais pris l'arbalète, je l'aurais tué, mais. T'as le viseur dessus, il arrive à tirer à côté, quoi. Putain de merde. Allez, on va aller voir quand même, hein. Ah ouais. Putain, je suis vraiment une chèvre. La chavroue, voilà. C'est quoi ça? Je viens de m'éclater les jambes. D'accord. Ah, je suis dégoûté, quoi. Ouais, balle craftée, ouais. Ah, c'est normal. Ah, d'accord. Ah, tu peux me laisser sortir parce que. En fait, je suis nul en boxe. Évidemment, il n'y a pas de vie. Laisse-moi sortir. Avec la sauce. Ah, c'est normal. Balle craftée, c'est normal que ce soit de la merde comme ça. Ah, d'accord. Je suis le mec qui pissait le sang. Hein. On a vu le sang de partout. Il est même pas mort. Magnifique. Merci de me remonter les morales. Bah, en même temps, ouais, j'en avais pas looté. J'ai fait comme je pouvais. Hein. On a crafté des balles à l'arrache. Putain. Eh, je comprends. Non, mais quand même, une balle. Je sais pas, je regarderai le replay, mais elle devait être proche de là, quoi, tu sais. Pour pas dire qu'elle était là, quoi. Elle est dingue. Et c'était à lui le coffre, hein. Ah, je suis sûr, hein. Ouh! Ah bah oui. Connasse, quoi. Merde. Oh, c'est nul. Qu'est-ce que j'ai? Non, j'ai rien, hein. J'ai rien. J'ai pas de son. C'est celui-là le meilleur. C'est nul! Voilà, exactement. Un chef que je suis. Hein. Ah, je suis vénère contre moi là. Imaginez même pas. Le mec, il arrivait tranquille à vélo. On serait reparti à vélo. Vous avez vu, ça fait du bruit quand même. Hein. En fait, on entend le vélo quand même rouler. Hein. Je pensais que c'était plus silencieux que ça. Hein. Ouais, t'inquiète. Oui, je vais. Dès que j'arrive à côté, je me fais un. Me faire un truc bien. C'est quoi ce délire là? Il se fout de ma gueule dans le jeu. Je vais avoir un truc un petit peu plus avec ma tenue, ça serait top. Alors c'est vrai que j'ai pas le droit de douter d'armes, mais bon. Les balles, j'ai le droit de les prendre au cas où. On va y aller vite fait, si on peut trouver. Et bah voilà. Allez, sérieux. On se dépêche. Pour moi, un pantalon, un slip, ce que tu veux. On s'en fout. La difficulté, c'est qu'on est obligé de jouer que avec ce qu'on a, donc. Alors le nord est là, donc ça doit être plein ouest, c'est à peu près là. Ah, je cours trop vite pour le drone, pour une fois. Prochaine pause tam, on se fait un petit couteau ou une petite merde, une lance. On puisse éventuellement taper le mec. S'il récupère le sac, bon, tant pis, c'est pas très grave. Avec un peu de chance, le mec il est trop stuff, il va même laisser le gun, il en a rien à foutre.
Par contre, ça fait plusieurs personnages qui a de la stam comme ça, là. Rien à voir avec le mec de la saison hardcore qui s'allongeait toutes les 30 secondes, là. Ah, tu vois, j'ai le temps de courir, de partir au chiotte. Je reviens et on est bon. Ah, mais là, je l'ai déglingué, hein. Il boitait, il saignait. Bon, après, s'il a... Comment dire ? Il a l'espèce de garrot, ça va vite, mais... Allez, tac, on se dépêche. On se dépêche vite. De toute façon, je vais être obligé de jeter... Je vais jeter les balles. Je préfère garder les jumelles, ça, on en aura forcément besoin. Et dès que je me rapproche, je ferai la prochaine post-am, je fais une danse ou un truc dans le genre. Allez. En fait, je limite, j'aurais dû respawn à mon abri, c'était plus rapide. Je regarde quand même sous les bugs, parce que ici, visiblement, les gens, ils poussent des coffres comme ça. Comme si de rien n'était. Ah, je suis en train de dériver. Je suis en train de rallonger la course. On aime bien courir ici. Question con. Est-ce qu'on peut pédaler? C'était un bug. Est-ce qu'on peut pédaler alors qu'on boite sur le vélo? Ah, j'aimerais bien savoir ça. Quand on boite, on peut pas déplacer. On peut pas se déplacer à vélo, logiquement. Je vais en profiter, elle fait sa post-am. On va faire vite fait la lance. Il faudrait que je teste ça en solo, savoir si on peut... si on peut faire quand même du vélo si on boite et tout. Bon, après, le mec, il a quand même une automatique, hein, donc il y a moyen que... Vu le gabarit de mon personnage, il a moyen de me one-shot, hein, sans problème même. Il met juste une balle et... Ah ! Oh là là, j'en peux plus. Ouais, c'est un peu plus haut, donc un peu plus par là. Ah, j'entendais un truc rouler au début. J'étais persuadé que c'était un mec en quad, mais comment dire, il s'était laissé, il roulait, il se laissait porter par la descente, tu vois. J'avais même pas pensé au vélo. On n'est plus très loin. Une demi-postam, ça devrait suffire. Je pense que le mec, s'il est pas con, même en boitant, il est quand même éloigné du bunker. Faut vraiment être con. À mon avis, il est allé le looter. Hein. Il devait être gras comme un cochon en plus. Allez, on y croit. Allez, ou pas. Vite, vite, vite. Qu'est-ce que tu me fais? On place ça là, s'il te plaît. Un mec tranquille, monsieur l'écologiste, il fait du vélo. Pose pas de pression, pas de questions.
m'a laissé. Bon, elle a récupéré le gun, évidemment, ça m'a étonné. Tout le reste, elle a laissé, donc j'ai quand même l'arbalète qui est prête à tirer. Mais bon, je pense qu'il est parti. Hein. Et hop, j'ai eu le temps de se soigner. Hein. Malin. Jamais je fouille si jamais il a fait tomber un truc. Bon, bon. À mon avis, le bunker il est éclaté maintenant. Je vais aller récupérer les jumelles. Dommage. Ah, c'est si loin que ça, sérieux? Putain. Ah, putain, les balles craftées, faut vraiment que... Bah, de toute façon, j'avais pas mieux sur moi. Hein. Je pense que même avec le carreau de d'arbalète, je l'aurais pas one-shot. Hein. Ouais, pas one-shot du tout. Avec un peu de chance, les jumelles ont pas des pop. Hein. Par contre, ça m'a éclaté le gilet pare-balles. Hein. C'est-à-dire que j'ai pris quand même une ou deux balles à mon avis dedans. Le holster, je m'en fous un petit peu. Techniquement, si j'en trouve un militaire, je prendrai l'autre. Ah, ça m'emmerde, mais vous imaginez même pas. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Ça aurait pu être pire. On n'était pas avec la car. Je vais quand même par principe rentrer dans le bunker au cas où, mais je pense que... Même sûr, il l'a fait, donc... À moins que je me dirige directement vers celui de A2, hein. Avec un peu de chance, je peux peut-être le recroiser là-bas. Je vais fouiller les bushs, il y a peut-être le vélo dans un coin. Je vais faire ça. Parce que franchement, il faut vraiment être con quand t'es à 2 mètres d'un bunker. Là, surtout que je pense qu'il ressortait là. À moins qu'il arrivait pour y aller, quoi. Bon, je vais aller voir vite fait. Ah. On va aller voir ça. Il aurait même pu crever de ses blessures, hein, on sait pas, mais bon, visiblement non. Mais... Ah, j'allais sauter, mais quand il monte, je me fais griller. Ah, ça me fait chier quand même. Un petit peu. Un petit peu, je vous le cache pas. Ah, il est fermé. Ça se trouve, il arrivait pour y aller. Hein. Parti trop tard. Quand tu viens ou tu viens pas? Ah si. Non. Bon bah d'habitude il vient. Moi, je pense que je vais y aller en mode normal du coup. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, effectivement, c'est pas ça que j'avais prévu. Hein.
putain, ma pep, vite fait. Aïe, aïe, aïe. Laisse-moi tranquille. Il m'a fait flipper, lui. Bon, ça va. Ça aurait pu être pire. Maintenant, vu qu'on était déjà rentré super discrètement, donc ça va. On n'est plus à ça près. On est bon. La flemme de couper les chiffons. Après, je pense il y a deux possibilités. Soit le mec a bien fermé correctement parce qu'il n'est pas con. Soit il n'est pas venu du tout. Et puis, c'est tout bénef pour nous. Est-ce que vous avez besoin que je vous mette un peu de filtre ou ça passe? Ou c'est un peu sombre? Dites-le moi, comme ça je le mets vite fait avant de rentrer. Je vais vous en mettre un petit peu, ça sera pas perdu. Ça sera pas perdu, tac. En même temps, j'écoute si j'entends du bruit. Ça vous va comme ça, je pense que c'est bon là. Hein. Ouais, c'est good. Peut-être pas été loot, hein. Ça se trouve, il arrivait et il s'est dit merde, putain. Il arrivait tranquillement à vélo, il allait se garer, je peux me permettre, et puis il est tombé sur moi, quoi. Bon, ça l'a pas empêché de repartir, mais tant pis, hein. J'ai rien à perdre. Je loot vite fait, voir s'il y a du stuff. Là, des balles de pompe, ça veut rien dire, ça c'est le truc que personne ramasse, de toute façon. Enfin, pas les vertes en tout cas. Ah, ils lui ont fait un gun? Non. Je savais même pas qu'ils avaient fait un gun pour JW. Le M1911, on a déjà ramassé, donc on peut pas le prendre. Pour moi, il y a personne. Hein. Qu'est-ce qui est bon, pardon? Ah, le filtre, pardon. J'ai pas su. J'étais à l'ouest. Hein. On cherche un chargeur d'AK. Oh là là. Ah, ça a été fait, hein. Regardez. Il avait fait l'armurerie, il a pris le principal, il s'est barré. Quoi. Ok, maintenant on est au courant. Sauf qu'il a tout refermé. Ou sinon, il y en a un autre dedans. Il n'a pas pu tout ouvrir, en tout cas. Bon, j'y vais là pour, hein. Franchement, j'ai rien à perdre à part du fame. Ce mec il a pas fait que le que l'armure. Ah, si ah, c'est dingue, hein. Ah, il nous faut un chargeur d'AK, des balles d'AK, un 9 mm on a le droit de ramasser pour rattraper le bug, des balles évidemment sans avoir de ramasser. Ah, t'as raison, tout raflé. J'aurais peut-être dû aller vers l'autre bunker, c'est pas grave. J'ai jamais été des trucs qu'il a pas ramassé, dont je vais avoir besoin. Je pense qu'il a. Il a tout raflé. Je peux ramasser le Deagle. Il s'en fout, il a bien raison. Oh, y'a rien. Mec, il t'a fait froid au début, t'as des balles de pompe et un gun, tu dis ouais, il y a du loot. En fait, y a rien, vas-y, on se casse. On va aller faire l'autre bunker, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ici, parce que parfois il y a des silos, et les silos, ça fait boum. Pas les balles.
J'en ai pas le crafté. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé. J'ai oublié à quel point c'était de la merde. Désolé, hein. Mais... vraiment naze. La vache. Mec, il a pris la peine de tout refermer. Moi, je vous avoue que quand je joue, même si je la joue un petit peu discret, sauf là, hein, évidemment. Enfin, je referme les portes d'entrée, mais je referme pas tout dedans. Hein. Alors, lui, il s'est pris la tête à tout refermer, à rien laisser par terre. Juste pour qu'on perde du temps. Et ça marche. Du coup, on sait pas s'il est passé ou pas. Quoi. Après c'est un petit bunker donc je vais le faire, je vais finir en speed, on sait jamais. Je peux trouver un chargeur d'ACAP, le mec il en avait 50, il l'a pas ramassé. Ça nous arrangerait bien. Ah, mais qu'est-ce qu'elle est nulle ! Non, sérieux, j'en reviens toujours pas, hein. C'était il y a une demi-heure mais... Ah, c'est dingue quoi. J'aurais pas dû le perdre ce fight. C'était pas possible. C'est pas possible. Même avec un Glock, je l'aurais déglingué. Du coup, l'autre jour, je sais même pas comment on a tué le mec à cette distance avec ce gun. Ah oui, non mais c'est dingue. Non, non, il a tout fait en fait. Faire même les casiers ici. Alors il a pas fait les deux du bunker mais il a fait cela. En fait il est peut-être descendu d'ici. On se fermer. Alors, il a tout raflé quoi. À part le deagle je pense en fait qu'il a pas fait exprès de le laisser. Sérieux hein. Allez on se casse. Même pas ça vaut le coup de le faire ici. Ah bah. On aura besoin pour le gun qu'on va peut-être trouver. Du coup on a quelques balles, on pourra jouer au 9 mm. C'est quand même un petit peu mieux je trouve que le espèce de magnum qu'on a perdu. On en aime de toutes les balles hein. Cette visette qui gueule. Non, c'était par là. Ah, c'est blessé. Non, pas la C4. Oh, la douille, j'aurais dû faire... Moi, je voyais qu'elle disait, hey, nanana, je vais me blesser, mais je pensais pas qu'elle allait se reblesser en C4. Merde. Ça, c'est con. Voilà, ça m'apprendra. C'est bien fait. Chier. Ça fait mal ce truc-là quand même. Hein. Ça fait très très mal. Hein. Ouais, on perd pas de temps. Ça c'est Cédric qui vient d'arriver ça. Un mis-ceci. Quel bâtard. Ah ça y est, le mec il m'a demandé le son, il est mis, il en profite direct. Alors c'est Mike. Ah ouais, vous deux franchement vous êtes des enfoirés. Hein. Il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Hein. Ah mais il est presque soigné. Bah ça fera une de moins déjà, si tu peux te soigner de celle-ci déjà.
Allez, dépêche-toi, ça fera une de moins. Voilà. Par contre, l'autre, je vais quand même. Je vais quand même me poser pour la soigner, parce que ça, on pourra pas l'escalader de bunker. Hein. Ça va être chiant. Je pensais qu'elle était bonne en. En résistance, mais. Putain. C'est pas le moment là. Ouais, c'est pas le moment. Tu sais, je suis un petit peu blessé, donc je peux éviter de me taper, tu vois. C'est vraiment pas le moment du tout, quoi. Juste toutes les portes sont ouvertes, ça se trouve, ils vont tous respawn d'un coup. Oui, on va faire attention à tes blessures, t'inquiète. Ah ouais. Bon, je vais être obligé de camper un petit peu. Après un peu de fame, on peut mourir une fois. À l'entrée. Comme ça, si j'entends quelqu'un arriver. Non, on me dit. Ah, je crois que c'était encore un casque. Du peu de vie que j'ai, il faut vraiment pas les louper, les mecs. Allez, je fais juste une petite pause soin et puis on y va. Oh! Ah, voilà! Ah, j'ai le coup de tuer le Z, petite lunette pour un snipe. Ah, c'est bon ça. Alors du coup, j'en profite vu qu'elle est en post-âme. Pause café, pause pipi et compagnie, il faut qu'on guérisse de ça, je garde le son. Si jamais il y a un bruit de ouf, et j'arrive tout de suite. Hein. Ne bougez pas, j'en ai pour 45 secondes. A tout de suite. Est mort, voilà. Bah finalement, je suis plus rapide que la blessure. Je suis en train de me dire que du coup, pourquoi ça clignote rouge le health. Bon, à la fin, ok, ça y est, pas de problème. Je suis en train de me dire, c'est quoi cette ficelle entre les. Ah oui, c'est le délire. Ah, c'est le, c'est le bout de l'arbalète. Quand même. Et son string, il est un peu trop tendu. Non, non, c'était de l'arbalète. Bref. Je suis en train de me dire que vu qu'il y a du monde dans le secteur, j'irai quand même faire un petit tour. Je crois que c'est. C'est ici qu'il y a une grotte, là. Regardez sur la map. Regardez sur la map, mais il y a une grotte. Peut-être la squatter, du coup. On va rester dans le coin. Hein. Les mecs, ils sont chauds. Ben, on va leur rendre ce qu'ils nous donnent. Ils ont changé le site, un petit peu plus chiant à retrouver. Other cave. Ouais, c'est ça. Elle est exactement là. Donc il y a peut-être moyen qu'on s'installe dans le coin. Même si on joue 3 ou 4 jours par semaine, c'est suffisant pour faire un petit peu chier les mecs. On en est où de la blessure là? Allez, encore à mon avis 25 secondes. Déshydratation, on n'a rien à boire là. Il m'a pris les canettes et tout. Ah ouais, il devait être en dèche comme moi, lui. Ok, ça marche. Et ben, on ira manger des champignons. Je dis. Eh, c'est bon? Voilà.
Bon, on va sortir en speed et on va direct à l'autre bunker. On n'a pas trop le temps, il est quelle heure? 16h30. Il y a 1h30 qu'on a pris cher là déjà. Dès que c'est safe, je vous retire. Merde, on va vite passer. Je vais vous retirer le filtre, ça va vous tuer les yeux là. Hop. Voilà. On profite le temps qu'il fasse son aller-retour. Oups. J'ai tourné vite. Je crois qu'il me voit pas d'ici quand même, je sais plus. Ah, il a zoom. Le mec à vélo, il nous a bien baisé. Hein. Il a fait le bunker. J'imagine même pas ce qu'il avait sur lui. Je préfère même pas savoir. Tu vois. Là, c'est direction plein sud. Il avait au moins, je sais pas si c'était pas un AKSU qu'il avait quand il nous a tiré dessus. Ah, j'ai plus de gun donc faut que je fasse gaffe, c'est comme si j'étais à poil. On a une lunette de snipe, ça c'est quand même pas mal. J'allais dire, ouais, il y a un holster tout neuf. À mon avis, a été looté. Hein. Même pas besoin de réfléchir. Le mec, à mon avis, il devait être tellement peu blessé qu'il a eu le temps de tranquille de soigner, de repartir, de venir faire le bunker. Une pression, lui. Hein. Il y a rien de rien. Là. Ah, il a bougé. Ah, le con. Reviens ici. Enfin, ça. Aïe, 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 aïe. Mais pourquoi tu t'arrêtes? Ah, elle a plus de stam. Yeah. Alors, arbalète, quand t'as plus de stam, c'est vraiment la merde. Hein. Combat de paysan. Arbalète et pique en bois, génial. À l'époque, tu vois, tu pouvais encore les lancer les lances dans la gueule, ça faisait vachement de dégâts. Maintenant, j'ai l'impression que ça fait rien du tout. Enfin, pas grand chose. Allez, sérieux. Ok, bon, bah, tu veux pas, hein. Ah, franchement, que ce soit elle ou le. Le gros qu'on avait dans la saison hardcore, elle a du mal pour récupérer sa stam. Hein. Bon, certes, elle a peut-être faim ou machin. Mais non, même pas, c'est soif. Il y a des champignons. On va les prendre et on se casse. Voilà. Ouais, mettre des coups de pied, c'est une bonne idée. Je veux pas que je les prenne. Voilà. Je veux pas que je les prenne. Je veux pas les prendre, je préfère. On s'éloigne de notre ville de base, mais bon, on n'a pas forcément de ville de jeu. Mais comme on a besoin de trouver ces putains de chargeurs d'AK, au moins un. Chargeur camembert, ça réglerait le problème. On a besoin du rail, des viseurs. Maintenant qu'on a une arme ou deux, ça vaut quand même le coup de partir à la recherche. J'ai bien aimé trouver d'autres champignons avant de sortir dans la zone... aride. On arrive dans un petit village, il y a le bunker à côté, on va voir ce que ça donne. Et je pense que le mec il est descendu, il a fait les deux, hein, et on va arriver encore après lui. Mais le coin est sympa, et je pense que à terme, se faire une petite base ici dans la grotte, si elle n'est pas prise, mais
Vu comment, comment les gens jouent sur le serveur, je pense que c'est déjà fait. Même si c'est facilement raidable et tout, mais au moins c'est un truc qui me permet de d'être safe si besoin, de stocker 2-3 merdes. Dépêche-toi. On n'a pas que ça à faire, nous. On n'en trouve plus. Avant, c'était à foison. On peut le prendre. Voilà. On va ramasser tous les champignons, là, vite fait, pour nous donner de l'eau. Évite les bûches au maximum, ça fait trop de bruit. Là, on va essayer surtout de ne pas crever. C'est ça que je veux, là. Si tu peux l'attraper. Super. Ok. Bon, c'est bon. Là, en eau, on aura ce qu'il faut. Ça remonte. La bouffe, ça monte avec le gras. Tant pis, hein. La cuit kilo 9, c'est très bien. Bien sûr. Merci pour la discrétion. Hein. Tiens, tiens. La maison est totalement squattée, celle-là. Oh, dommage pour la pastèque. Là, ça traite tous les problèmes d'eau, ça. En même temps, ça permet de voir si je vois du mouvement dans la maison. Et encore, lui, il est gentil, hein, parce que moi, franchement, j'ai des pastèques devant chez moi, je piège le truc. Hein. Salut, le chat. Une ancienne un ancien squat. Là, si c'était pas une ville avec si peu de passage, j'aurais pu prendre la maison en appoint, tu vois. J'ai déjà les protections de fenêtres et tout. Après, c'est naze à défendre. Hein. Oh. Ah. Changer de pantalon, je suis allé en meilleur état. Hop. Hey, il y a un petit chapeau dedans. Allez, on se casse. J'ai fait un échange. J'ai pris le pantalon, j'ai laissé un holster. Je pense que le deal est équitable. Oui, oui, je sais, mais t'inquiète. Je vais juste pas le faire là en ville parce qu'il y a trop de bruit. Je le fais dès que je sors. Ça me fera 4 morceaux d'un kilo. Bon, ça fait les lourds, mais au moins. Profite, il y a l'orage, il y a la post-am. Par contre, 4 kilos de pastèque. J'espère que t'as faim, hein. Moi, je pourrais jeter ça. Ah, si je suis pas classe comme ça. Ça fait pas vraiment sexy du tout. Il y a que des fringues de mecs dans le jeu. Bon, oui, il y a des leggings, super. Les trucs de yoga là, les trucs panthère en plus, mais il n'y a pas de slot quoi, donc je peux pas les mettre. Ça là-dessus, ils ont pas été super cool. Hein.
Ah, je suis dégoûté pour tout à l'heure, franchement. Alors, no spoil, hein. Ouais, les kilts. Ouais, mais les kilts, c'est pas un truc de meuf, les kilts. À la base, c'est un truc de mec, je crois. À poil. Censuré, banni de YouTube pour nudité. Il a pris l'autre? Non. Ouais, c'est incroyable. Hein. A beau faire le double kick, le truc des fois. Avec bleu, on veut pas. Ça, c'est le genre de route. Et, je suis sûr tout le temps du passage, un mec qui passe à fond. Tu mines le bordel, t'es tranquille. T'es sûr qu'il y a du passage ici. Le mec, tu squattes la petite maison là, certes, il n'y a pas beaucoup de passage à pied, mais t'es sûr de. Un tracteur, un quad, un véhicule, un vélo. Ouais, ouais, c'est vrai. Promis, je vous ferai une petite soirée un peu olé olé. Un petit peu hot. Et là, il pleut, vous comprenez, je peux pas imaginer. Ah, ça serait pas mal d'ailleurs, c'est un truc à la con, mais. J'implante un petit peu les rhumes et maladies. Alors, quand t'as froid, tu te mets à tousser et tout. Je peux te dire que ça. Un peu comme dans DZ. Là, je trouve que c'était une bonne idée, tu vois. Genre, t'es en train de camper un mec derrière un mur, t'entends. Ça, ce serait marrant. Et genre, tu prends des cachets ou t'es obligé de te. Tu sais, t'as une barre ou. Un peu comme actuellement l'hémorragie, la faim et machin. Le temps que le truc il se soigne, tu vois. Genre, t'attrapes froid, bon, après, tu tombes malade. T'éternues ou tu tousses. Ça, ça serait une super idée, ça. Bon, ok. Ça fait kiffer que moi. Et alors? L'idée, elle est bonne, quand même. Donc, il pourrait le faire, hein. C'est pas compliqué, hein. Ils savent nous faire des chapeaux de pirates. Non, je sais pas, vous en pensez quoi? Ah, me laissez pas tout seul, les mecs. Mais réagissez. Non, il est où le bike? Il est déjà parti depuis longtemps, le mec, surtout. Where's the bike? On a dû attraper des plumes au passage, mais il n'y en avait pas dans le village d'avant. Ouais, ouais, c'est sûr. Antibiotiques, ou tu prends une petite aspirine, enfin, l'un ou l'autre fonctionne, c'est un truc pas trop complexe non plus, mais genre, il t'attrape froid ou machin, bah ton personnage, il a une barre un peu comme quand il se soigne. Ah oui, il peut tousser, il peut faire du bruit. Le bush, il est ultra dense, celui-là. Vous savez qu'on va mourir, là. Je sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Enfin, j'annonce quand même. Je suis sympa. We're gonna die. Non, mais ça aurait pu être fait, hein. C'est pas si compliqué que ça en plus, hein. Ah, mais j'ai oublié de tester un truc. Est-ce qu'il paraît que quand tu mets la bouteille même pas coupée par terre, elle se remplit? Ah bah oui. C'est très bien fait, ça. Ouais. Bunker fermé. Combien on parie que le mec, il est repassé, il a fait comme tout à l'heure. Ah, il faudrait lancer une prédiction, quoi. Bunker naze ou top? Oh. Chargeur au début, là, oh là là, hein. Seven, il a la... Un salon 9000 mètres, attention. Tout est fermé, comme tout à l'heure, même mode opératoire. Alors, est-ce qu'il est passé ou il est pas passé? Est-ce qu'il s'est dit, putain, je vais aller sauvegarder mon loot. Et il n'est pas passé. Et comme il n'y a rien d'autre. Wow.
Merde, il est pas rechargé de... À cause de tout à l'heure, quand il n'y avait plus de stam. Un peu comme là, là. Du coup, si elle n'a pas de stam, elle peut pas tirer. Heureusement qu'il a été bugué derrière la porte. Hein. Rien qu'en marchant, elle perd la stam. Hein. C'est trop de poids, du coup. Hein? Ah, lui, il s'est téléporté, hein, clairement. Ah, elle galère comme l'autre personnage. Franchement, c'est... À part le fait qu'elle court vite quand elle est à poil, sans faire de mauvais jeux de mots, mais sinon... À mon avis, ça a été looté. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu éclaté comme loot, hein. Franchement. Ah, oh, ça prend notre gun. Top, c'est le premier. Bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'au moins on a trouvé un chargeur pour notre gun. Je vais me prendre arbalète à la main. Je vais faire une post-am. Je suis une lance qui a un mec au loin, je peux rien faire. Il y a R. Il y a R, frère. Hein? Mikey, il est chaud. Il y a R. Frérot, je te jure, il y a R. Il a juste laissé rien. Regardez, regardez. Ah si. Il y a quelque chose, mais on peut pas ramasser. C'est pas qu'il y a eu l'idée de faire cette saison à la con là. Pardon. Belle chemise. Ça, on peut mettre ça. Tac, verrouillé. Attendez. On va trouver des pines ou on va venir déverrouiller. On va peut-être trouver des chargeurs ou un truc dans le genre. Un rail pour la K. Chargeur camembert. Par contre, qu'est-ce que je me sens pas en sécurité sans gun quand même, sans arme. Que, franchement, l'arbalète, c'est pas une arme, hein, c'est un troll ce truc-là. Là. Allez, petite boîte de pin là. Ah, ça se trouve, il y a quelque chose, hein, il est peut-être pas venu. Hein. C'est juste que comme on est sur du loot foin, le loot il est dégueulasse. On a déjà fait, hein. Tout ça, un bunker avec du loot dégueulasse. C'est déjà arrivé à tout le monde, ça. La boîte de pin. Mais non. Elle est là. Quand cette porte-là est fermée... Ça ressemble à un bunker qui n'a pas été fait. Généralement, même quand il referme, il ne referme pas cette porte-là entre deux. Du liquide de frein, génial. Est-ce que quelqu'un sait si sur les vélos, ils ont mis les sonnettes. Ça pourrait être marrant. Non, sérieux? Ils n'ont pas mis des petites sonnettes? Ah, franchement, moi je me serais tapé des lignes, je traverserais la map en train de faire ding 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 ding. Bon. Peut-être pas la map, hein. Je ferais peut-être juste une case, je serais mort direct, mais ça aurait été marrant ça. Moi, je retrouvais ça marrant. Il se fout pas de ma gueule, là. Allez! Allez, un petit chargeur camembert, là. Un rail pour le AK, là. Ah non, je les ferai moi-même, les rails, mais...
Ouais, ça peut servir aussi. Boîte de balles au pire. Gêne, génial. On était venu ici pour chercher du matos. On va repartir avec des bouts de pastèque et des fumigènes, quoi. Continue. La loot vite fait. Mais en tout cas, s'il n'a pas été fait, les casiers sont quand même fermés, donc je vois pas le mec juste venir et partir, tu vois. Alors, en tout cas, s'il n'a pas été fait, le loot est dégueulasse. Mais nul. Mais genre... C'est nul. Ça, c'est bien, ça, par contre. Le loot, il est dégueulasse. Et la deuxième armurerie. Ah, si je vois un SVD là sur l'étagère, je suis dégoûté. Si un SVD sur l'étagère, je prends Carlos, je lui tire les oreilles. De nous avoir suggéré une saison comme ça là. Oh putain, il y en a qu'un. Ah, c'est la K47, donc je peux le prendre pour le démonter, on est bien d'accord. Ça, c'est cool. Et le chargeur qui va avec. Et là, on est content quand même. Là, on peut dire que c'est cool quand même. Ça, c'est bien. Du coup, on va jeter. Hop. On va pouvoir réparer l'autre AK qui est en bon état. Bon, c'est pas très grave, mais... Ah bah on a trouvé le chargeur, nice. Par contre, on a même pas un seul viseur. Mais bon, il pourra faire le rail improvisé, ça c'est pas très... Pourquoi t'as utilisé ce tournevis? C'est vraiment un petit con. Waouh, lampe torche, ah là là. Et t'avais un truc de tournevis là, mais non. Bon, maintenant il faut sortir vivant. Hein. Enfin, il nous reste un couloir à ferme. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette saison? On fait une petite base ou. Le spot est pas mal quand même. Il y a du fight tout le temps. Hein. Enfin, on croise du monde à chaque live. Hein. Pour faire ça. Est-ce qu'on s'amuse à faire une petite base ou. On continue comme ça juste à se balader et garder la. Une petite maison de temps en temps. Pour se replier. Juste voir par rapport au stylo. Ouais, après, ça va peut-être prendre trop de temps à faire des bases. Ouais, peut-être que c'est bien de squatter une maison de temps en temps, mettre des pièges autour. Et puis... Par contre, j'étais persuadé qu'au moins quelqu'un serait arrêté sur le piège, mais toujours pas. Donc j'ai deux mines. Où le mec? Les deux mines qui sont autour de mon truc de réapparition. Mais pourquoi ça me fait le coup à chaque fois? Heureusement qu'il m'a pas entendu. Ah ouais, d'accord. Tu fais un bruit de parquet, mec. Tu sais pas de recharger, ça sert à rien, il a pas de stam. Bon, il reste plus grand chose à fouiller ici. Hein. On va faire les bureaux, on va récupérer des cadenas éventuellement. Chargeur d'AK. Ouais, AK-15, c'est pas... Ouais, ça sert à rien. Bon, je le prends parce que si jamais, par miracle, on tue un mec avec une AK-15 qui n'arrive jamais en temps normal, au moins j'aurai un chargeur. Même s'il est déglingué, je le réparerai.
Je suis capable de tuer un mec, le seul mec du serveur qui a un AK-15 dans les mains. Bon. Connais hein, la team poissard les mecs. Ok. Ouais, je pense qu'on va. On va rester allez. 2-3 épisodes dans le coin. Et dès qu'on a l'AK qui est full équipé. Quand je dis full équipé, c'est-à-dire qu'en gros je vais faire des balles et puis on va remplir le camembert là. On ira se faire une petite chasse à l'homme pour des rafils. Donc on trouve un petit viseur, donc ça c'est pas trop compliqué. Et après c'est de la ferraille et de la poudre donc. Je pense que demain on ira à la chasse. Chasse à la poudre, on va faire les viseurs, on va préparer les armes. Faudrait que je trouve un moment pour déplacer le reste du coffre, sinon c'est trop dangereux. Il est collé à la ville. Je vais me faire cramer. C'est vraiment le truc qu'il faut pas faire. Et au final, ça, c'est dommage. Hein. On a loupé un petit fight à cause avec les véhicules, on a retrouvé que les corps. Là, on aurait pu tuer le mec à vélo. Ouais, ça aurait vraiment tout changé, quoi. Voilà, on parlait de faire des balles. Parfait. Bon, il commence à avoir soif, donc on va vite fait vider les poches des champignons. Même si je sais que techniquement c'est quand même mieux la pastèque, mais au moins ça me libère des slots. Bordel mon sac, c'est n'importe quoi. Il nous manquait pas grand chose hein, pour le détecteur de métaux. Hein. Je crois que de mémoire. Hein. Ah non, c'est peut-être la radio qui nous manquait, c'était pas le tube. Il va y avoir du cadenas, à mon avis. On va les prendre parce qu'au moins, on va peut-être faire mieux que des bronzes hein, sur les baraques qu'on va squatter. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont là, qui sont pas sur Discord, venez nous rejoindre. Des fois, il y a des petites discussions sympas, des petites blagues. Si vous avez des questions, si vous cherchez des potes pour jouer à Scum, si. Je sais pas. Si vous faites chier, passez, venez faire un petit coucou. Et des fois, il y a des annonces sur des lives particuliers ou des machins. Dès qu'on a des infos sur Scum, on essaie de les passer et de les commenter ensemble. Il y a ce qu'on aime, ce qu'on n'aimerait pas, ce qu'on trouve cool, pas cool. N'hésitez pas à prendre exclamation Discord. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, nous on fait que du scum. Il y a quelques viewers qui ne sont pas abonnés. On fait que du scum à la pure et dure. C'est-à-dire qu'on se met des challenges un petit peu improbables et difficiles. On aime ça. Donc là, le début de la saison, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était de ne looter aucune arme. Par contre, dès qu'on tue quelqu'un, on peut jouer avec les armes qu'on a lootées. C'est un peu chaud. Sachant que les mecs en face, eux, ils ont pas de règles. Hein, ils jouent sans restriction. Je vais quand même essayer la prochaine live. Je sors avec un gun. Hein. Je suis obligé, ça peut sauver la vie. Je pense qu'on a quand même de quoi peut-être remplir deux petits chargeurs de 1911, donc ça peut dépanner. Bon, je vais les garder vraiment en cas d'extrême urgence, type pour tuer un mec ou un Z qui dog dans un coin était bugué quoi. J'aurais bien aimé trouver le silencieux qui va avec, mais pas Noël non plus. Le tournevis jaune, c'est top. Faudrait qu'on passe à l'occasion. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait croisé une base une fois quand on était mort. Et je sais plus où elle était. Genre par là, je crois. C'est tellement vague, mais on avait croisé une base.
Je crois que j'avais pris en photo l'emplacement, je sais plus. Non, il faut que je retrouve le live. Je crois que le chat avait pris l'information, mais il est peut-être pas là, il veut pas se spoil, il est arrivé trop tard. Il y a quand même beaucoup de trucs à fouiller dans ce bunker, hein, mine de rien. Pas beaucoup de loot finalement, mais... Attendez, l'objectif photo, je vais le prendre parce que... J'ai une hunter, je vais me faire un rail improvisé, je vais me faire une lunette improvisée, si ça peut dépanner. Vous vous rappelez où était la base ou pas des mecs? Il y en a qui étaient là ce jour-là. Plus si j'avais pas pris en photo ou truc dans le genre. Ah, regardez, comité d'accueil. En tout cas, on est full, pas forcément de trucs de ouf, mais on est full. Après, on trouvait l'un claque qui pourra réparer l'autre. Le chargeur qu'on venait. On a quand même un petit peu de chance. On est en train de faire un stock de clous. Laissez tomber. Je vais pouvoir me fabriquer ma propre tombe. Gain par terre, c'est pas le 9000. Pas tellement content de trouver le 9000 qui me manque là. Ok, t'as chaud. Effectivement, on va remédier à ça. Bah voilà. Bon, on aura trouvé les deux guns qui avaient disparu en tout cas. Là, je suis lourd. J'ai pas de stam. Je crois que l'arbalète est pas chargée. Et t'as un mec ultra vénère qui me suit là. Voilà, elle a mis une casquette, elle a perdu des cheveux. Elle. Un peu comme Seven quoi. Allez, tu prends la flèche parce qu'on est en galère. Implante-toi ici le temps que tu récupères la stam. Et on va essayer de te virer. Je suis full de partout, ça. Ok. Pas de balle de neuf. Bon, faudrait que... Effectivement, il faudrait que je jette un truc, hein, mais... Vas-y, on va lâcher le tuyau. Peut-être que j'ai envie de lui enlever un des vêtements, parce que là, ça galère un peu. Ça galère fort. Pas dans la veste. Finalement, j'aurais dû garder le holster, hein. Ça, ça utilise 4 en... 4 en chaleur, on va virer. On va réparer les pompes avant que ce soit trop tard. Et on se casse. Bon, on s'en sort pas trop mal quand même. Enfin, franchement, ça aurait été parfait si on avait buté le mec tout à l'heure quand même. Hein. Donc il n'y a plus que ça quoi. En plus, il a eu une full. Elle était full son arme. Je sais pas s'il y avait un viseur ou pas, mais en tout cas, c'était une automatique. Il avait des balles. Il a fait sa rafale. Il a dû être surpris en plus. Hein. C'est ça le pire. Lui, il a dû se chier dessus. Et nous, on est morts.
coup, il nous a chier dessus. Allez hop. On s'arrête ici. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Prochain live, du coup, donc demain. Demain, mercredi. À peu près même heure. À peu près. J'ai lancé. Demain, à peu près même heure. Jeudi, exceptionnellement, le soir. 20h30, 20h45. C'est parti pour le live jeudi soir. Et donc, demain, on va réparer la Hunter, réparer la K, déplacer le coffre. Et on va repartir chasser un petit peu, quoi. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux, surtout qu'on est en pleine journée, c'est quand même assez agréable. Je vous souhaite une bonne après-midi, faites attention à vous, merci encore pour votre soutien. Et je vous dis à demain, ciao ciao les amis, à demain! Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Putain, il est fort ce con.